Bonjour tout le monde. Nous avons en face nous là Daniel Arbour, en fait la justice américaine, condamné monsieur pour 23 ans de prison. Eh bien, et sous base que monsieur, eh bien, qu'on voyageait à l'Haïti, abusé un ensemble de timoun, fait sexe avec un ensemble de timoun qui en bas 18 ans. Et monsieur était même avoué qu'au cours de 2016, il était même touché, parti. Vaginal des séries de Timoun qui en bas 12 ans, on bagaille tête chargée. Donc, yo mette la main sur monsieur, yo condamné monsieur pour 23 ans de prison et yo condamné monsieur même après 23 ans ça. Monsieur a gagné pour le gain, ça relève yon follow-up for life. Ça veut dire, avis a gagné pour yo superviser comportement. Ok? Avis pour yo, les gens la passé. En fait, monsieur, c'est une sorte de prédateur. Si ti moun ki an ba 12 an, donc ou ap rentre men an ba jipo ou ap mene. En fait, si on est ki te kon al tri an Haïti, abuse pil ti moun an Haïti, sou ki base? Sou base que, eh bien, monsieur habillé sous forme de missionnel, en fait, moun kap travail pour bon Dieu, en parenthèse, ok? En fait, organisation protestant, monsieur Alire, les Ménonites, son organisation comme ça, eh bien, monsieur Gang, depuis 15 ans, il a fait bagarre en Haïti. Bon, bagarre l'a fait aujourd'hui. En fait, monsieur, il a visité plusieurs villes. Les venus en ville, ça, c'est chercher Timounio, vous comprenez, pour le faire abus sexuel. En fait, nous disons bien, depuis 15 ans, les gens vivent en Haïti. En fait, même dire vivre là, c'est aller tourner. Vous connaissez missionnaire. Donc, missionnaire, c'est aller tourner en Haïti. Donc, sous base religion, OK? Maintenant, James Daniel, en fait, on nous dit que monsieur a 40 ans et monsieur, justement, lui reconnaît que le coupable, qu'effectivement, lui était entré dans sa année des. En fait, il avouait que lui était entré dans des comportements sexuels illicites avec des timons. C'est ça qu'il était avoué devant US District Judge, juge la Elizabeth Kedillion, qui trouvait lui dans Virginia. Mais c'est lundi qui se passe là, que yo condamné monsieur, et puis yo remettre malfaiteur et en prison. Ok, actuellement là, entre parenthèses, missionnaire ça, il y a un joli en prison. Ok, donc yo a expliqué, j'aime ce qu'on habillé lui, vous comprenez, avec tirade, vraiment l'église lui, fidèle, tant de choses. Il présentait, écoutez, la présentait comme un missionnaire qui travaille pour bon Dieu. You know, que la paix des mounions, et on dit bien, c'est dans plusieurs villes, nous connaissons missionnaires, c'est sorti dans une ville, allons l'autre. Donc, c'est sous base ça, en fait, c'est couloir, monsieur, t'es utilisé pour être capable d'accaparer les mounions, faire abus sexuels sur les mounions. Dans des séries de villes, côté qui est malheureux, côté qui est grand goût, côté bagaille, pas bon. Ok, c'est là, le devine joli. Donc, maintenant, et des investigations, en fait, gagne unité spéciale qui trouvait lui dans le département de justice qui travaille sous causé ça, il était gagne agent, il mettait sous terrain, et bien qui arrivait décortiquer, monsieur, en fait, bien ça, les Custom Enforcement Homeland Security Investigation, ok, il y a plusieurs spécial agents, quel que soit côté dans le monde là. Mais yo capron sous dossier ça yo parce que y a des monde qui a fait des enquêtes sur abus sexuels de manière internationale en fait il y a un projet même que le projet Safe Childhood son projet qui national qui visait à combattre épidémie ça épidémie qui est l'exploitation et abus sexuels sous Timoun. Il faut nous dire enquête pour mettre la patte sous messieurs, ça, soit entre parenthèses, qui présente comme un missionnaire, James Daniel. Alors bon, enquête ça a commencé depuis 2006. Ça veut dire son aide à suivre depuis 2006, nan, aller tourner, sortir en Haïti, et bien, il était réussi à mettre la patte sous lui, et bien, il a voué lui en prison. Donc, nous disons félicitations pour et bel coup de NASA pour mettre Nexawal de mon côté pour que. Eh bien, jeune petit garçon, on a dit jeune petit garçon, petit fille, petit garçon en Haïti, au moins qu'a gon la paix. Parce que c'est des séries de petits mouns qui pas connaissent rien, bien entendu, des séries de innocents. Écoute, donc, qui a subi des séries de abus, et par soi-disant, on connaît en Haïti, on dit c'est blanc, et blanc, blanc, venu.
livrer petit yo bay blanc, alors que blanc, en fait, là nous dit blanc religieux, on moun, en fait, nous connaissons en Haïti, le plus souvent, on dit, bon, son moun l'église est religieux, yo fait yo confiance, et pourtant, sous base confiance, yo profite, exploiter ti moun yo. Donc, un bon travail, félicitations, et nous pensons que le travail, ça a mette, ka mette, on peut-être, yon hola, yon foin, yon pinga, sous, et, groupe de moun sa yo, qui utilise l'église pour entrer dans le cadre, activité de prédateur. Vous comprenez? Jeune petit garçon, vous avez un petit garçon, pas même jeune petit garçon, non? Vous avez un petit garçon, et puis l'église déjoue l'amont, perdit l'amont, c'est terrible, c'est regrettable, et nous pensons que c'est un bon coup, nous encourager des masses. J'en ai toujours dit, rebrancher, reconnecter, inscrit sur News Lakay, nous porter update toute information importante qui a rapport à pays nous Haïti et pas bon ici aux États-Unis. Inscrit sur News et allez, now encore.